Un jour ou l'autre, tu feras probablement un test de grossesse. Mais toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Même si elles obtiennent exactement les mêmes résultats. Et ensuite, cela se poursuit soit par une bonne grossesse, soit par une mauvaise grossesse. Deux femmes enceintes avec deux gros appétits. C'est si joli! Les bébés ont envie de tomates. Délicieux! Je ne sais pas trop. Tant que c'est assez sucré. Burk, c'est dégoûtant! Enlevez-moi ça! Je suis désolée. Oh! Qui a commandé ceci? Ah, là, on peut parler! Attendez, venez voir! J'ai dit mayo, moutarde, salade, cornichon! Oh, tout de suite! Je pense que vous apprécierez ça. Vous aimez le sucré salé? Vos désirs sont des ordres. Je vais mettre la dose. Voilà. Et maintenant, la crème chantilly. J'imagine que vous en voulez beaucoup, non? Oh oui, nous y voilà. Ça m'a l'air parfait. Et que diriez-vous d'un peu de vermicelle? Voilà, bon appétit. Cette fille a lu dans mes pensées. Salut, toi! Viens voir maman! N'oublions pas la viande! J'ai l'impression que c'est Noël! Délicieux! Oh oui, c'est excellent! Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse! J'adore être enceinte! Tu en veux, Bella? En fait, ça m'a coupé l'appétit! Oh là là, cet endroit est une vraie porcherie! Comme si j'avais besoin de faire du ménage! C'est pas facile! Oh! Peut-être comme ça? Bella, je suis rentrée! Oh! J'ai tout nettoyé pour toi, chérie! Phew! Ne dis rien! Je sais que tu as passé une dure journée! Très stressante! Reste assis et savoure un bon café! Un petit massage? Ah! J'ai la meilleure femme du monde! On forme une équipe parfaite! Oh, j'ai faim! Oups, je ne veux pas manger ce truc! Je ne peux même pas me pencher pour la ramasser! Oh là là! Chaton! Quoi? J'ai fait tomber une chips! Et des chaussettes! Ok. Assure-toi de ne rien laisser, bébé. C'est un vrai chantier ici. Hé, c'est pas mal comme ça. Continue. C'est dur, une grossesse pour la maman et le papa. Parle pour toi. Dieu merci, une place de libre. Ah, tu vas bien, bébé? Oh, je peux? Peut-être qu'il va donner un coup de pied. Waouh, ça pousse, hein? C'est tellement magique. Oh là là, je peux? Merci. Salut, petit bébé. Salut. Plus on est de fous, plus on rit. Tant que je peux rester assise. Oh, l'usage de mes doigts va me manquer. Tu peux répéter? Ça t'apprendra à toucher le ventre d'une femme enceinte. Sans lui demander sa permission. T'as peur, hein? Tu veux toucher mon ventre maintenant? Tu veux? Ouh! Viens me le dire en face. Cours! Quelle naze. Maintenant, j'ai le banc pour moi toute seule. Ouais, juste toi et moi, bébé. Pas de mains étrangères. C'est donc ça que les bébés mangent?
Fascinant! Je peux faire ma propre nourriture pour bébé. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Ça devrait faire l'affaire. J'espère que bébé aime la banane. Juste quelques grammes? Pas trop. Parfait! L'eau doit être parfaite. Et top! Laissons faire la magie. Plus c'est long, plus c'est bon. Et on mélange. Ça me paraît bien. Il faut toujours tester en premier. Oh, ça sent bon! C'est délicieux! Tu aimes bébé? Oh, trop mignon! Nous avons une vraie connexion. Hein? Les bébés mangent ça? C'est incroyable! Et je dois faire ça moi-même? Ça ne doit pas être sorcier. Oups! Personne n'a rien vu. J'espère que la table est propre. Bon, et après? Un peu d'eau. On va dire que c'est bon. Il faut juste mélanger un peu. Oh, dégueu! T'aimes ça, toi? Ben non, ça ne m'étonne pas. Je ne te forcerai pas à manger ça. Tu vas goûter les saucisses. En plus, je sais bien les préparer. Je vais te mettre ça dans un biberon. C'est le combo parfait. Sucré-salé, génial! J'espère que mon bébé aime les capres. Allez, un petit extra. J'allais oublier le meilleur. Un peu de coca. Les bébés peuvent en boire, non? C'est une idée géniale. Pas trop! Oh, délicieux! Le dîner est prêt, mon bébé. Quelle belle couleur! Alors, tu aimes? Je vais être géniale en tant que maman. Oh, bébé, pleure. Oh, mon repas! C'est arrivé, chérie! C'est allé vite! J'ai trop hâte! J'espère que tout est là! Oh! N'est-ce pas charmant? C'est trop mignon! J'adore, j'adore, j'adore! Je garderai tout! Un vêtement de plus à ajouter à sa garde-robe. Elle s'agrandit! Hein? Trop mignon! Il aura du choix comme ça. C'est mieux. Allez, c'est parti. Faisons des vêtements pour le bébé. Je peux me fier à mes yeux. Je crois que je vais lui faire un petit maillot. Oh, de petites manches. Et la partie la plus amusante, quick, quick. Voilà, ce n'est pas si dur. Oh, les coins ne sont pas faciles. Voilà. Oh, c'est pas top. Mais l'essentiel est là. Il n'y a rien de mieux que des agrafes pour fixer un truc. Pas besoin d'une machine à coudre. Voilà. Oh, regardez-moi ça. C'est pile à sa taille. Oh, je suis gravement blessée. Respire profondément. Le docteur va t'aider. Docteur, j'ai besoin d'aide. Tu ne devrais pas boire autant de soda. Allez, on a terminé. Tu peux y aller. Hé, regarde ça. Joliment aplati. Amuse-toi bien avec ton écharde.
Vous auriez une petite pièce? Oh, le pauvre homme! Je devrais l'aider! Tenez, vous devez avoir faim! Oh, il a peut-être soif aussi! Tenez, prenez ça aussi! Oh, merci infiniment! Et s'il avait froid? Oh, vous êtes une vraie sainte! Ce n'est rien, vraiment! J'essaie juste d'aider quand je peux! Cette musique déchire! Oh, ce mec n'a vraiment pas de chance! Je crois que je peux l'aider! Une guitare peut résoudre toutes sortes de problèmes! J'ai bien fait d'avoir répété cette chanson hier soir! Oui, ça marche! Les gens donnent de l'argent! Yeah! Et voilà! Allez, il est temps de rassembler tout ça! J'ai amassé pas mal d'argent! Tiens, mec, achète-toi à manger! Wow! C'est beaucoup d'argent! Merci beaucoup! Vous êtes mon ange gardien ou quoi? Je t'en prie, c'était un plaisir! Cette histoire était trop drôle! Hé, hey, j'ai une surprise pour toi! Oh, une sucette! J'adore ça! Génial! Viens, on va se balader! Oh, attention! Ce chien a l'air super dangereux! Dangereux? Oh non! Reste derrière moi! Il pourrait attaquer! Restons à bonne distance! Phew, on est en sécurité maintenant! Ça va? On peut y aller? Oh, mon téléphone sonne! Allô? Oh, ça me fait plaisir de t'entendre! Vraiment? C'est fou! Oh, un chien! Il est trop mignon! Bonjour, mon grand! Tu es très joli, tu sais! Qu'est-ce que tu es doux! C'est qui le gentil toutou? C'est toi! Au revoir! Ça m'a mis en forme pour la journée! Au revoir, mon joli! Ok, je vais vite noter ceci. Je crois que je commence à comprendre. Oh, flûte! Mon stylo n'écrit plus! C'est pas grave, j'en ai d'autres! Alors, lequel vais-je utiliser? Je ne suis pas sûre de celui-là. Je vais en prendre un autre. Voyons. Bonne tenue. Et bon mordant. Il est parfait. Allez, je peux me remettre au travail. Sérieux? Cette saleté de crayon n'a plus d'encre. Trop la loose. Regardez-moi tous les crayons qu'elle a. Elle va bien m'en prêter un. Mais je ne veux rien lui demander. Il doit bien y avoir une autre solution. Hé, il y en a un vers la poubelle. Soyons discrètes. Je suis prête. J'y vais. Il suffit de ramper jusqu'à lui. Hé, qu'est-ce qui se passe? Le voilà! Je l'ai! Yes! Il ne me reste qu'à retourner à ma place! Génial! Je peux me remettre au boulot! Sérieux? Il ne marche pas non plus! Je n'ai plus d'autre choix! Oh mon Dieu! Ça y est! J'ai super bien dormi! Bonjour, mon chaton! Tu es le plus beau des chats! Faisons une photo! Meilleurs amis! Qu'est-ce que tu es beau! Je vais te brosser, toi aussi!
petit-déj. Tiens, voilà pour toi. Gentil chat. Tu aimes tes céréales? Salut Diablo, tu vas bien? Regarde ce que j'ai pour toi. Gentil toutou, tu l'as bien mérité. Allez, il est temps de se faire belle. Quel collier va-t-on mettre aujourd'hui? Yep, celui-ci fera l'affaire. C'est parfait, non? Voilà, je crois que celui-ci t'ira très bien. On peut y aller, tu déchires! J'adore l'école! Oh! Oh non! Toutes mes affaires tombent! C'est une véritable cascade de douceur! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais! C'est comme un ange de neige dans les peluches! C'était trop bien! Mais je ne pourrai jamais tout remettre dans mon casier! J'ai trop d'affaires, je vais devoir m'en débarrasser. C'est trop dur. Un pour toi et un pour toi. Et voici pour toi. Hein? Pourquoi m'a-t-elle donné ça? Voyons voir. On dirait qu'il est plein. Je vais juste bourrer ça là-dedans. Ça va le faire. Non, restez dedans! Non, ça ne marche pas! J'ai dit restez là-dedans! Pourquoi mes affaires ne m'écoutent-elles pas? Peut-être que je dois pousser plus fort. Ok, je crois que ça marche. Phew! Ça y est! Oh, allez! Ce film est génial! Oui, je suis entièrement d'accord. Ce pop-corn est trop bon en plus! Oh, pardon, vas-y. Tiens, je te le donne. Tu mérites d'être chouchouté. C'est trop bon! Oh, j'ai un peu chaud. Tiens, bois ceci. Ça te rafraîchira. Merci, mon amour! Oh là là, ce fauteuil me fait mal au dos. Je sais. Prends ce coussin. Voilà, ça soulagera ton dos. C'est bien mieux, tu es le meilleur des hommes. T'es trop cool, bébé. Non, c'est toi le plus cool. Je vais mettre mes pieds ici. J'ai hâte de rencontrer notre petit rocker. Ça te dit de faire une partie? Je vais t'éclater avec ma prise spéciale. Tu es super fort. Attrape. Je vais te battre. Tu crois que tu peux nous apporter quelque chose à boire à moi et au bébé? Bien sûr, je reviens. Tiens, c'est ta boisson favorite. C'est trop bon. Ça me donne envie d'écouter du rock. Je peux faire quelque chose pour ça. Yeah, c'est mon morceau préféré. Oh non, je vais être en retard. Je n'ai plus le temps de prendre une douche. Oh non, je suis vraiment en retard. Oh pardon, je suis désolée. C'est pas grave, mais vous pouvez m'aider à ramasser mon sac? Je suis en retard, salut! Mais... va falloir que je le fasse moi-même. Encore un tout petit peu. Oh, je suis crevée! Quelle journée! Je vais bien dormir cette nuit. Oh non! Son sac! Elle a besoin d'aide! Ce n'était qu'un rêve! Mais qu'est-ce que...
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Oh, tu es enceinte. Hé, Betty! J'ai tellement faim! Super, c'est prêt! Oh oh, ça ne va pas aller! Non! Il me faut ton assiette aussi! Voilà! Mais mon repas! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger maintenant qu'elle m'a tout pris? Rien! Wow! De la moutarde, des cornichons, du poisson. Mais d'où vient toute cette bouffe? Ouh, un peu de ketchup et ça va être délicieux. J'arrive pas à en croire mes yeux. Et avec un peu de chantilly, la vie est plus belle. Blarc, ça a l'air vraiment dégoûtant. Et une petite fraise par-dessus pour une touche fruitée. Exactement ce qu'il me fallait. J'adore décorer le sapin. Tiens, l'étoile, c'est à ton tour cette année. Non, je t'en prie. Oh non, elle pleure. Elle est devenue si sensible depuis qu'elle est enceinte. Tiens, tu peux la placer toi-même. Oh, merci. C'est super beau. Bon travail. Betty, non! Oh, désolée, continue. Non, 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 non! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de couper un concombre! Oh là là, tu pleures pour un rien! Celui-là, il est à moi! Pauvre petit concombre! Tu dois avoir tant souffert! Alors, où est-elle? Betty, je suis là! Oh, tu m'as manqué, petit ventre! Ta tante Betty va s'occuper de toi! Voyons, où est cette salle? Mon cours de géographie est dans la salle 214. Mais ça, c'est la salle 321. Je suis perdue! Tiens, ils pourront peut-être m'aider. Vous savez où se trouve la salle 214? Oh! Salut, petit ventre! Comme tu es mignon! Tout le monde veut toujours toucher mon ventre. Je vais jamais réussir à trouver cette salle. C'est l'heure de prendre un peu soin de soi. Quel plaisir d'être tranquille et au chaud! Ah, mon rasoir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me raser les jambes? Ouais, probablement. Allez, petite jambe, viens par là. Oh, tout est si dur quand on est enceinte. Un peu de mousse à raser. Voilà, il va m'en falloir un peu plus. Mes jambes sont plutôt poilues. J'arrive pas à toucher mes chevilles. Bon bah, ça ira comme ça. Je vais aller aussi loin que possible. Ouh, c'est bon, ça a l'air de marcher. Enfin, presque. Eh bah, c'est du travail tout ça. Bon, au moins c'est fait. J'ai plus qu'à réussir à me relever. Et maintenant, j'enlève mes chaussons et je mets mes chaussures. Le chausse-pied est une invention géniale pour les femmes enceintes. Et voilà! Oh, on peut encore voir mes chevilles poilues. Ça ira, je peux les couvrir avec mes chaussettes. Parfait, maintenant je suis prête à sortir. Ce bouquet sera très joli ici. Elles sentent si bon. Ce t-shirt par contre ne sent pas la rose. Oh, désolée Betty. C'est pas grave, je vais mettre tout ça dans la machine. Oh, des roses! Je parie qu'elles sentent super bon! Berk! Ah! Elles sentent mauvais! Je vais vomir! Donne-moi cette bassine! Berk! Ma bassine à linge! Dégoûtant! Oh, de la lessive! Laisse-moi sentir! Ça sent tellement meilleur que ces roses dégoûtantes! Ton odorat de femme enceinte est de plus en plus ridicule. Bon, je ferai cette lessive un autre jour. Si agréable, si frais. 100 coups de brosse devraient rendre mes cheveux super brillants. Non, non, c'est pas possible.
Regarde ce message! Oh Betty, je suis désolée! Pourquoi est-ce qu'il veut rompre avec moi? On va si bien ensemble! Oh non, faut que j'aille aux toilettes! Et il pouvait même pas m'appeler! Il fallait vraiment qu'il rompe par SMS! C'est très triste, mais donne-moi une seconde, je reviens! C'est vraiment pas juste! C'est ça, Betty, vide ton cœur! Et il rompt avec moi un samedi? Comment ose-t-il? Betty, faut que je fasse pipi, je reviens! Pourquoi est-ce que tout le monde me quitte? Pauvre Betty, elle a l'air tellement triste. Oh non, il faut encore que je fasse pipi. Ça suffit. Betty, viens avec moi à la salle de bain. Tu restes là et tu déballes tout. T'as raison, Betty. Quel goujat il fait. Oh, Betty. Ah, beaucoup mieux. Quoi? Comment ça, beaucoup mieux? Comment peux-tu dire ça? Je veux dire, tu mérites beaucoup mieux. C'est vrai. Oui, elle était complètement bouleversée. Ah, il va falloir que je te rappelle. Oh, mon ventre est tellement gros, ça va être difficile. J'y arriverai peut-être si je m'assois sur le canapé. J'y arrive pas. Peut-être avec les deux mains en même temps? Oh, mais c'est enrageant! Tiens, tiens, mes doigts me donnent une petite idée. Je reviens tout de suite, petits écouteurs. Eh oui, j'ai une pince préhensible. Je vais pouvoir les ramasser sans problème. Oui, je les tiens. Je savais que j'y arriverais. Mais qu'est-ce que... Où est passé le soleil? C'est vraiment bon, ça. Ouh, ce garçon vient de me faire coucou. Il veut s'asseoir avec moi. Eh bien, d'accord. Il est plutôt mignon et on dirait qu'il a des choses à dire. Il est vraiment très bavard. Oh, la grossesse me donne super envie de dormir. Je vais juste appuyer ma tête. Je suis réveillée, tout va bien. Tu as un morceau de quelque chose sur le visage. Oh, cool, j'avais encore un peu faim. Excuse-moi une minute, je dois faire pipi. Oh non, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Vos billets, personne n'entre sans billets. Suivante. Coucou, mademoiselle. Ah oui, voilà mon billet. Très bien, vous pouvez entrer. Suivant. C'est sympa ici, et ces chaises sont confortables. Ça va être une super soirée. Oh non, je crois que je suis encore sur le point de piquer du nez. Je vais juste fermer les yeux une seconde. Et alors je lui ai dit que c'était pas la vérité. Salut, on est super contente de vous voir. Ça vous dérange qu'on s'assoie là? D'accord, je m'assois par terre. Betty, t'as vu le dernier épisode? Je suis désolée, mais j'ai besoin de plus de place pour mon gros ventre. Est-ce que l'une de vous peut s'asseoir autre part? Ok, je peux te laisser ma place. Salut, bienvenue par terre. Je suis encore un peu serrée. Tu pourrais pas bouger aussi? Oui, d'accord. Ah, c'est bien mieux. Hé, tu peux te pousser un peu pour que je voie? Super, lance le film! J'avais pas vraiment prévu de passer ma soirée comme ça. J'adore le pop-corn pendant un film. Je suis réveillée! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Ouh, je ne suis plus enceinte! Quel soulagement! Quand on est riche, être enceinte peut être très amusant. Tout peut alors ressembler à un jeu. Regardez toute cette or! Qu'est-ce qui se passe dehors? Je n'ai pas l'air fabuleuse? Regarde! À moi! Hé, ce ne sont pas des billets! Allô? Non, mes affaires sont pourries! Ça craint d'être pauvre.
J'imagine que je vais me contenter de ça. C'est pas juste. Cette chambre de bébé est trop belle. Chérie, j'ai une poussette pour le bébé. C'est celle que tu voulais. Ah! Attends! Ne fais pas trop d'efforts. Le chauffeur. Oui, ça va être génial. Excuse-moi. Merci, mon amour. Je vous emmène quelque part? Faisons un petit entraînement. C'est parti. Allons manger une glace. Waouh, une poussette en or! J'en avais jamais vu avant. Je n'ai même pas de vraie poussette. Un bidon d'eau! Il est temps de se montrer créative. La nécessité est mère de l'invention après tout. Elle est superbe. Faisons un petit tour. Viens par ici, petit ange. Voilà, diable au chaud. Je suis toute excitée. Bonjour. Puis-je vous aider? Ces vêtements sont splendides. Ça brille. Waouh! Elle est très jolie. Je crois que j'ai trouvé ce que je veux. Ou bien ceci. Oh, je me sens pas traque tout d'un coup. Oh, parfait! Un fauteuil! Il faut que je repose mes jambes. On se croirait dans un sauna, ici. Hein? Oh! Vous vous sentez mal, madame? Cet air pourrait être plus frais. Oui, vous avez raison. Je me sens mieux. C'est tout ce que vous avez? Ok. Voici tout ce que nous avons. Puis-je faire autre chose? Oh, ce sera tout. Ceci devrait suffire. Waouh, ça fait beaucoup de liquide. Allez, il est temps d'y aller. Au revoir. Waouh. Quelle belle journée! Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai partout! Oh, ça ne va pas le faire! À l'aide! Ah! Allez! Ça tient! Bon, pas tout à fait! Il y a plein de choix dans ce magasin. Vous cherchez de nouveaux vêtements? Que pensez-vous de ça? Carrément! 5 dollars? Ah, ça ne suffira pas. Essayez plutôt cette partie. Ça me va. Waouh! Un kilo de vêtements pour 1 dollar! Je me sens riche! J'adore! Oups! Je ne vous avais pas vu. Attention le monde! J'arrive! Au revoir! Ce restaurant a l'air très bien. Il y a quelqu'un? Un apéritif, mademoiselle. Voici ce que nous avons de mieux. Avez-vous fait votre choix? Je vais prendre tout ça. Merci. C'est appétissant. Et délicieux. Je n'aime pas les légumes. Je préfère ça. Une petite douceur. Waouh, trop bon. Vous m'avez appelé? Le repas vous a plu? Débarrassé. Tout de suite. Oh, quel gâchis! C'est notre meilleur plat! Mmh.
déjeuner est servi! Ça paraît bon, non? Il n'y a plus de sel? C'est pas grave. C'est bon! J'ai super faim! C'était exactement ce qu'il me fallait. C'est l'heure de faire la vaisselle. Il en reste encore un peu. Et personne ne regarde. Et voilà, plus besoin de faire la vaisselle. On se voit pour le dîner. Je suis super efficace. Oh, rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Regardez cette femme! Merci, merci! Hé! Hey, ça me donne une idée! Allô? Oui, tout de suite! Pourquoi regarder la télé quand les artistes peuvent venir directement chez toi? Ça lui ferait mal d'être un peu plus énergique? Non, en fait, je m'ennuie à mourir. C'est bon, j'en ai assez entendu. Oh. Très bien. Ça ira? Quel culot! Suivant! Regardez ces deux-là! Au moins, ils sont énergiques. Mais ça ne me plaît pas. Ok! Allez, au suivant! Vous avez une bien belle maison. C'est l'heure d'y mettre le feu! C'est pas mal du tout. J'adore le rythme. Ouais! Ça me plaît vraiment! Prenez tout l'argent, vous le méritez! Yeah! Billets pour tout le monde! C'était génial! Je crois que le bébé a aimé lui aussi! J'adore vraiment cette chanson! Tu entends, petit ange? Je sais ce qui pourrait nous aider! Oh, ça ne tient pas! Oh, je voudrais lui faire écouter de la musique! Ce sont les seuls écouteurs que j'ai! Non! Je ne peux plus rien écouter maintenant! À moins que... Je sais! J'ai juste besoin de ça! Et de ça? J'espère qu'il aime ma voix! Je crois que oui! Ce shopping m'a épuisée! Pfiou! C'était pas si mal! Regarde la télé, je vais dans la cuisine! Il est temps de regarder mes achats! C'est pas superbe! Elles sont toutes petites! Et celle-ci? Il ne les portera pas avant un moment! Regardez ça! Ces chaussures sont trop mignonnes! Hé! Il ne les avait pas au magasin! Elles sont bien plus belles! Oh! Chérie! Oui! Je veux ces chaussures! Hein? Elles sont jolies! Oui, ma chérie, tout ce que tu veux! Je les achète. Tu es contente? Oui, très contente! On peut arrêter le shopping maintenant? Tu les as, tu vois? Waouh! Il y a plein de choses ici. Elles sont trop belles. Il y a écrit 200 $. Pour ça? Oh! Trop mignonne! Et le prix est abordable. Je les prends. Très bien. 4 $, s'il vous plaît. D'accord.
Oh, en fait, je n'ai que 2 dollars. Je ne peux rien acheter. Et ces chaussures de poupée? Qu'est-ce que vous en dites? J'imagine que oui. Quelle femme étrange! Prenez une grande inspiration et ensuite expirez. Ok, essaye de te calmer. Respire doucement. Oh d'accord, je peux faire ça. Oups! C'est quoi cette odeur? Oh mon Dieu! Laisse-moi te rafraîchir. Peut-être qu'on devrait y aller. Qu'est-ce qui vient de se passer? Allez, piochons un prénom en même temps. J'ai ma carte. Vicky? Non, Sophie est un meilleur choix. Non, Vicky. Sophie. Ce sera Vicky. Sophie. J'ai dit Vicky! Oh! Alors, ce sera Vicky, d'accord? Bien sûr, Vicky. Laisse-moi juste mélanger ces cartes. Maintenant, je vais les éparpiller. Ok, c'est prêt. Assieds-toi. Voici les prénoms. T'en dis quoi de Bella? Lana est un meilleur choix. Quoi? Bella est clairement un meilleur choix. Allez, Bella signifie belle. Tu ne me feras pas changer d'avis. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais prendre ça. Et ça, c'est pour toi. Bonjour, madame. Vous êtes prête? Vous avez vos lunettes de soleil? C'est parti. Ouais, Lana, j'approuve complètement. Bonjour. N'hésitez pas à vous asseoir. Excusez-moi, pourriez-vous augmenter la température de la pièce? Aucun souci, madame. Bonjour, j'ai hâte de m'asseoir. Waouh, il fait très chaud par ici. Monsieur, pourriez-vous diminuer la température, s'il vous plaît? Bien sûr, aucun problème. Oh non, il fait trop froid. Pourriez-vous modifier à nouveau la température? Beaucoup mieux. Oh, je suis en sueur. Plus chaud. Non, plus froid. Plus chaud. Non, plus froid. Ah! Je m'en vais. Waouh, il est vraiment très théâtral. Waouh, quelle bonne sieste. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais manger? Oh, des restes! C'est toujours exquis. Je vais juste les mettre un peu au four à micro-ondes. Maintenant, j'ai juste à attendre. Hein? Le four ne fonctionne pas? Allez, fonctionne! Oh, quelle déception! La pizza est toute congelée. Elle n'a pas du tout chauffé. Impossible! Elle est trop froide pour que je puisse la manger. Et si... Et voilà! Souffle de chaleur à la rescousse. Yam! C'est trop bon! Pile ce que je voulais. Tu as faim, mon bébé? Moi aussi. Je vais nous trouver quelque chose à manger. Oh, pourquoi pas ce yaourt à la fraise? Ce sera très bon. Bon, où est ma cuillère? Ce yaourt est pas mal. Mais ce n'est pas vraiment ce que je désire. Oh, ce que je veux vraiment, c'est une glace. Rendons ce yaourt un peu plus froid. Oui, maintenant j'ai un yaourt glacé. Miam, c'est tellement meilleur maintenant. Délicieux. Waouh, j'ai failli rater ce virage. Hé, j'ai besoin de ton avis. Cette robe en dentelle ou cette robe sans bretelles? Chérie, tu peux me donner ton avis, s'il te plaît? Oh non, tu ne vas pas m'ignorer.
Elle est bouillante! Elle me brûle les mains! Tu écoutes maintenant? Quelle robe! Merci, tu es si adorable! Oh, merci! Toi aussi! D'accord, je vais me changer! Ah, elle me donne si chaud! Bonjour, Trésor! Oh, salut! Comment s'est passée ta journée? Tu m'as manqué! Ouais, c'était pas mal! Cool, c'est bien! Chérie, mes pieds sont fatigués et me font mal! Oh, tu n'as qu'à les mettre en hauteur! Tu peux me les ramasser, s'il te plaît? Vraiment? Mais j'ai vraiment besoin d'un massage! Attends une seconde, j'ai une idée! Hé, dépose ce téléphone! Mes jambes me font mal! J'ai besoin que tu me les masses! Ah, c'est beaucoup mieux! Ah, c'est tout ce dont j'avais besoin! Oh mon Dieu, je crois que c'est l'heure! Urgence! C'est une urgence! Oups! Un petit moment, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Oh non! Je suis toute seule! Bon, je suis de retour. Et j'ai pris mes précautions. Je vais vous rafraîchir un peu. Quel mignon petit bébé! Oh! Eh bien, voici votre bébé. Oh mon Dieu, tu es le portrait craché de ta maman. Le bébé arrive. D'accord, on dirait que c'est l'heure. Laissez-moi juste examiner le bébé. C'est étrange. Bon, c'est vraiment le moment. Écoutez-moi maintenant. Prenez une grande inspiration. Inspirez et expirez. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous décongeler. Ouf, ça a marché. Vous êtes de retour. On peut reprendre? Oh oui, bien sûr! N'oubliez pas de respirer! Ah! Et voilà, un joli bébé! Tenez! Mon magnifique bébé! Ah, heureusement que ça me va encore! Je ne l'ai acheté que la semaine dernière! Ah. J'imagine que ce n'est pas assez bien. Je n'en veux plus. Ça, c'est beaucoup plus mon style. Je devrais être rayonnante maintenant. On s'en débarrasse. Celle-ci aussi. Oh, prends tout. Betty, les hormones font encore des siennes. Non, attends, on peut aller faire du shopping. Encore un point et on gagne. Oh, ce pantalon ne me va plus. Ce truc n'est pas pour les femmes enceintes. Oh, j'aimerais trop pouvoir faire du shopping. Tu regardes quoi? Ma réponse était là pendant tout ce temps. Voilà. Les vieux vêtements de mon mari sont le nouveau trésor d'une femme. Cette émission est trop cool. Ouais, j'espère qu'elle va me rendre mes trucs. Oh, encore quelques pas. Pfiouh. Je ferais mieux d'en finir avec ça. Ah, c'est l'heure de transpirer. Mais qui a besoin d'une salle de sport? Voilà. Tout est prêt? Allons-y. Facile. C'est parti. Et un, et deux, nettoyer, c'est super fatigant. Ok, maintenant sur les côtés.
Et de 1... Burk, tes sols sont dégoûtants. Oh, je ne l'ai pas changé depuis un moment. C'est sale? Burk, carrément. Et voilà. Pas d'avant-bras faible ici. Oh, heureusement que j'ai apporté de l'eau en plus. Oh, je suis épuisée. Oh, il fait genre 1000 degrés. Maintenant, de quoi ai-je envie? Chérie? Tu as besoin de quelque chose, mon amour? Quelque chose de sucré. Oh, n'en dis pas plus. De la pâte à tartiner aux noisettes. Non! Oh. Qu'avons-nous d'autre ici? Attends, je crois que j'ai ce qu'il faut. Ou plutôt, plein de choses. Tout pour mon bébé. Et il y en a encore dans la cuisine. Il y a du fromage ici? Non. Comment ai-je pu oublier le fromage? Ridicule. Super intéressant. Mais toute cette lecture m'a donné faim. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Quelque chose de salé, peut-être? Allô? Tu veux quelque chose, ma chérie? Je mangerai bien un petit goûter. Ok, une seconde. Youpi! On arrive! Chips salés, ta saveur préférée. Oh la vache! Où as-tu trouvé ça? Merci! Ah, profite bien, hein! Si besoin, tu m'appelles, je serai dehors. Non, attends! Encore une chose! J'ai envie de quelque chose de sucré. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Merci, chérie. Ah! Tu m'as fait peur? C'est quoi, ça? Eh bien, tu voulais quelque chose de sucré. Ça sent le dessert. De la fraise? Oh, c'est trop bon! Maintenant, apporte-moi du poisson. Je suis quoi, un supermarché? Oh, je vais voir ce que je peux faire. Trop bon! Oh. Ok, je t'ai attrapé un poisson, mon amour. Ah ouais, carrément! L'odeur te dérange? Au moins, le shampoing sent bon. Je me demande quand Betty va arriver. Ok, elle est en route. Oh, Betty, garde les yeux fermés, d'accord? Encore quelques pas, ne les ouvre pas encore. Prête? Surprise! C'est un baby shower! Oh, merci, mon amour! Voyons voir ce que nous allons avoir. Éclatons le ballon. 1, 2 et 3. On va avoir un bébé garçon. Tu peux le croire? Ça va être un garçon ou une fille? Hein? Toujours rien. Ok, on se concentre maintenant. On tourne. Vais-je avoir un garçon ou une fille? C'est trop naze. Cette baguette doit marcher. Ah ah! Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, exploitons le pouvoir des cartes. Voilà. J'en sais rien, moi. Et... Oh, ça ne marche pas! Oh, un garçon, une fille, un garçon, une fille... Un garçon, fille... Oh, 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 qu'est-ce qui vient de se passer? Garçon, fille, quelle importance? Oh, oh la vache, ça fait vraiment mal.
Pourquoi ne t'assois-tu pas? Attends, t'es sûre que ça va? Ouh. Chérie? Oh, pardon, ton lit, bien sûr. Oh, c'est chaud. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Oh, docteur, aidez-nous s'il vous plaît. Elle a besoin d'aide. Oh, il fait chaud ici. Tout va bien. Tout va très bien. Oh, je ne peux pas regarder. On va pousser très fort, ok? Hein? Chérie? On peut le faire. Phew. Oh la vache! Les hommes. Juste respire. Je pousse! Oh, ça arrive! Oh! Qu'est-ce que j'ai raté? Voici ton bébé. Pourquoi ne le tiens-tu pas? Allez, allez, ressaisis-toi. Ouais, non, je ne peux pas venir au bureau aujourd'hui. Ouais, elle va voir le bébé. Attends, quoi? Oh, au moins quelqu'un se préoccupe de moi. Tu as lu l'email? Très bien, on respire fort maintenant. Laissez-moi aller vous chercher de l'eau. Voilà. Pas maintenant, Doc. J'ai dit non! Oh, ok. Plus pour moi, alors. Ouais. Tu te débrouilles bien. Le voilà! Votre petit bout de chou! Oh, merci. Tu t'es très bien débrouillée, chérie. Nous sommes une famille maintenant.